Cet audio a pour but d'aider les personnes à neutraliser cette période. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous, dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder fermées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux et à chaque fois que vous allez les refermer, vous allez simplement vous répéter « je neutralise ». Je neutralise tout ce que je peux vivre émotionnellement pendant cette période. Tout ce qui peut être, en tout cas, négatif pour moi, je le neutralise. C'est-à-dire que je lui permets une existence qui ne va juste avoir aucun impact sur moi physiquement, émotionnellement ou intellectuellement. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et plongez de plus en plus à l'intérieur de vous. Connectez-vous à cette étape de vous-même, cette capacité de neutraliser les choses. Il se peut que cette période de fin d'année ou toute autre période vous entraîne parfois dans cette sensation où tout est exacerbé. D'ailleurs, il se peut que, à force d'entendre les informations, d'entendre les autres, les personnes que vous croisez, que ce soit dans votre famille ou que ce soit au travail, vous ayez cette sensation d'être oppressé, comme s'il y avait autour de vous une manne, une puissance, une force qui vous imposait constamment une idée, un concept, une façon de fonctionner. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et répétez-vous, je neutralise. Je neutralise ce qui existe, je neutralise pour que tout cela n'ait plus d'impact sur moi. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez sentir que vous êtes en train d'apaiser et surtout de donner à votre esprit comme à votre corps une sensation de tranquillité. Neutraliser, ce n'est pas retirer les choses. Neutraliser, ce n'est pas les enlever et ne plus y penser. Neutraliser, c'est ne plus avoir un impact, une sensation, une perception, qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle, sur ce que vous êtes en train de vivre. Comme si tout prenait une nature juste, sans excès. Et dès lors, tout cela devient acceptable. Vous n'avez ni envie d'être dans une action, ni envie d'être passif. Simplement, vous laissez. Vous laissez volontairement. Vous laissez petit à petit cette neutralité prendre place. Alors vous allez, pendant quelques instants, vous focaliser sur tout ce qui vous saoule, vous pèse, vous angoisse, vous dérange ces derniers jours et peut-être dans les jours et les semaines à venir. Inspirez. Ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux, doublez votre état de neutralité et laissez simplement cette idée prendre place. Je peux neutraliser ce qui se passe actuellement à l'intérieur de moi. Physiquement, je peux simplement apaiser toutes les peines, les gênes ou les douleurs de mon corps en respirant profondément et en restant sur cette idée neutre. Vous savez, ces sensations peut-être au bout des doigts ou peut-être à n'importe quel autre endroit dans votre corps où il n'y a pas vraiment plus de sensations. Vous n'y prenez que peu ou pas attention. Et vous demandez à votre esprit, à votre subconscient, à toutes les facettes de vous-même, à cet instant précis, d'entrer dans la même zone neutre où on n'y fait pas vraiment attention, où vous n'y faites plus vraiment attention. Et seconde après seconde, vous neutralisez les sensations qui peuvent être désagréables pour vous physiquement. Vous allez maintenant orienter votre esprit vers une neutralisation émotionnelle. Cette neutralité, elle est assez simple, vous la vivez quotidiennement. C'est ces personnes que vous croisez, dont vous ne prenez que peu attention, ces choses qui se passent autour de vous et qui, sincèrement, ne vous intéressent pas le moins du monde et qui, dès lors, ne vous touchent pas. Vous laissez cette capacité que vous avez en vous, de vous défocaliser des choses, de vous dissocier de tous ces éléments, prendre place vis-à-vis des émotions qui, peut-être, jusqu'à cet instant, prenaient trop de place à l'intérieur de vous. Je me dissocie, je neutralise de plus en plus ces sensations et ces émotions qui ont été, jusqu'à présent, jusqu'à cet instant, trop perceptibles. Je les rends complètement neutres, comme toutes ces choses dont je prends à peine attention, et si je devais émotionnellement m'y connecter, je ne sais pas vraiment ce que ça donnerait, une forme de mélasse, quelque chose
de complètement abscons qui ne ressemblent à rien, et dès lors qui ne m'impactent plus. Alors, vous pouvez y associer ce qui d'habitude, émotionnellement, à cette période, vous dérange, et là, vous allez vous rendre compte que c'est comme une mélasse, comme un rien, difficilement définissable et simplement complètement apaisé au niveau émotionnel. Comme si ça ne prenait pas forme, vous neutralisez. Et vous pouvez vous répéter, je neutralise ces émotions. Ce qui fait que cette période devient de plus en plus neutre pour moi, physiquement, et puis maintenant, émotionnellement, et je me sens en phase. Je sens qu'à partir du moment où c'est moi qui oriente et qui dirige cette neutralisation, je peux également orienter et diriger mes pensées, mes dialogues internes, mes ambitions, mes idées, mon futur. Alors, dans les minutes, les heures, les jours à venir, vous allez continuer à développer cette capacité à neutraliser physiquement, émotionnellement et bien sûr, intellectuellement les choses. Il y a peut-être un ensemble d'idées, de concepts qui sont partagés, propagés, imposés, qui vous prennent la tête. Et, là encore, vous allez prendre en compte tous ces thèmes qui ont que très peu d'importance pour vous. Ces thèmes qui, d'ailleurs, à cet instant précis, ne sont pas vraiment clairs. Vous ne savez pas desquels je vous parle. Et en même temps, vous savez qu'il y a un paquet d'éléments et de thèmes qui ne vous intéressent pas du tout. Prenez par exemple un sport quelconque que vous connaissez à peine et dont vous n'avez rien à faire. Alors, vous allez simplement vous rendre compte que vous avez également cette capacité cognitive à neutraliser les pensées, à rendre complètement neutre une réflexion, peut-être de quelqu'un, ou d'une autorité, ou toute autre idée qui pourrait arriver et simplement ne pas vous apporter plus d'intérêt, et donc plus du tout d'effort cognitif, c'est-à-dire intellectuel à cet instant précis, et vous neutralisez les pensées. Vous les laissez juste complètement latentes, ne mettant plus la moindre énergie pour la nourrir, la mettant de côté, comme ces thèmes et ces sujets qui vraiment ne vous intéressent, mais alors absolument pas. Et c'est comme si, physiquement, émotionnellement et intellectuellement, dans cette neutralisation, vous étiez en train de ressentir à l'intérieur de vous de plus en plus de bien-être. Et surtout, une capacité à maîtriser et réorienter vos pensées, vos dialogues internes, et surtout, là où vous voulez mettre votre attention et votre intention, toutes vos énergies, là où vous voulez, à partir de cet instant et quotidiennement, mettre votre esprit, votre corps et vos ressentis. Alors, petit à petit, à mesure que vous êtes en train de neutraliser et neutraliser encore, jour après jour, heure après heure, vous êtes en train de définir également ce que vous voulez porter, les choses que vous voulez mettre en avant, en lumière, les choses qui pour vous demandent de l'attention, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle. À cet instant précis, vous décidez. Vous reprenez une maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de vos sensations. Vous devenez le leader de votre propre vie. Vous dirigez ce qui est important pour vous. Et vous ressentez dans votre corps à cet instant précis cette sensation de satisfaction. Je suis capable de neutraliser tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Qu'importe dans les situations dans lesquelles je vais me retrouver, je sais que je suis capable de neutraliser tout ce qu'il faut. Alors, dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici et maintenant. Vous allez laisser dans votre subconscient cette capacité à neutraliser prendre place. Et d'ici quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, vous allez vous rendre compte que naturellement, vous neutralisez ce qui est dit, entendu, perçu, ressenti, et que vos émotions, vos sensations et vos pensées sont désormais dirigé par ce que vous souhaitez. Et tout ce qui ne vous intéresse pas et sur lequel vous n'avez plus envie de porter de l'attention, automatiquement se neutralise complètement, jusqu'à vous permettre d'être bien et de décider, choisir et orienter vos pensées, vos sensations, vos émotions. 1, 2, à 5, vous allez ouvrir vos yeux, plein de force, d'énergie, avec cette capacité à neutraliser les choses en un instant, une pensée, un souffle, une respiration. 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.